Tous. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment vous inscrire au tournoi du BCSH et comment les rejoindre sur Real Bridge. Alors, dans un premier temps, je vais vous inviter à vous connecter sur bcsh.fr, le site du Bridge Club Saint-Honoré. Une fois dessus, vous cliquerez sur Tournoi et vous irez sur Jeux en ligne Real Bridge. Alors, ensuite, vous irez sur Programme et inscription. Vous cliquez ici. Imaginons que je veuille jouer le tournoi de jeudi. Le tournoi de 24 donnes, ouvert à toutes, le jeudi à 14h30. Je vais cliquer sur « Je m'inscris ». Alors, je vais mettre mon nom, mon prénom. Mon numéro de licence. Je resélectionne bien le tournoi que j'ai envie de jouer. Jeudi ouvert à tous. Je confirme la date. Le jeudi 14. Je recherche un partenaire. Alors si je recherche un partenaire, il faut mettre oui. Ce sera la seule procédure en étant tout seul pour rechercher un partenaire si je suis seul. Mais là, j'ai un partenaire, donc je vais mettre non. Et je vais mettre le nom de mon partenaire. Et très important, son numéro de licence. Et ici, je vais mettre mon email. Mon numéro de téléphone. Et je clique sur « Je ne suis pas un robot ». Vous inscrire. Mon inscription est validée. J'aurais plus qu'à venir au tournoi. Normalement, je vais recevoir un mail de Real Bridge pour me dire, alors il ne sera pas instantané, il faudra attendre une petite heure pour recevoir ce mail. Alors, la deuxième manière de s'inscrire, je retourne sur Jeux en ligne Real Bridge, dans le menu, je retourne sur Inscription, et je peux cliquer sur Inscription sur mon espace licencié FFB. Je clique ici. Et ici, je vais cliquer. Alors, si vous êtes licencié au Bridge Club Saint-Honoré, normalement, vous aurez marqué tous les tournois ici avec Bridge Club Saint-Honoré, Bridge Club Saint-Honoré. Vous n'aurez plus qu'à cliquer sur inscription. Ici, on va taper Honoré. Il va nous trouver la recherche. Alors, ici, il y a tous les tournois du Bridge Club Saint-Honoré qui sont en attente. Alors, pour m'inscrire, je vais juste cliquer ici, inscription auprès de l'organisateur. Alors, mon numéro de licence, il est tout de suite mis. Et maintenant, je n'ai plus qu'à chercher mon partenaire en tapant son prénom, enfin son nom. Par exemple, Sébastien Rotkoff, je l'ai tout de suite. Alors, c'est important là, par exemple. Le droit d'engagement, il est de 0 crédit par joueur, donc il n'y a pas trop de questions de règlement. Alors, je peux souhaiter de régler pour mon partenaire et moi en cliquant ici. Voilà. Donc, il va y en marquer pour l'équipe ou alors par joueur. Alors, ce qui est important, c'est que si jamais j'inscris mon partenaire, c'est pas comme sur BBO, il n'a pas besoin d'être de l'autre côté de l'écran. Quand j'aurai validé, s'il a du crédit, ça va nous inscrire. Vous ne serez débité qu'au début du tournoi. C'est-à-dire que si vous ne jouez pas le tournoi, vous ne serez pas débité. Alors, là, par exemple, je vais marquer « Valider ». Alors là, par contre, quand je passe par cette procédure, je reçois le mail d'inscription, enfin le mail pour jouer immédiatement. Je retrouverai dans mes mails. Et ce mail de confirmation me servira aussi pour rejoindre le tournoi. Et je vous rappelle que vous pouvez vous inscrire jusqu'à 10 minutes avant le tournoi. Après, les inscriptions sont closes. Par exemple, pour un tournoi qui commence à 19h, à 18h50, je ne peux plus m'inscrire.
Voilà, je vous dis à bientôt sur les tournois sur Real Bridge.